Ok, coucou. Bonsoir et bienvenue sur le plateau 215 pour notre rendez-vous du Père Foie Chaud. Voilà. Bonsoir mon petit Olivier. Dites-moi, vous ne sentez pas une chaleur irradiante sur votre droite? Sur ma droite? Mais oui, c'est votre chevalier servant. En la présence, mesdames et messieurs, de Passe-Muraille. Je sens que je vais t'apprécier, toi, Passe-Muraille. Quelle chance vous avez. Surtout au regard de ce qui vous attend, mon petit Olivier. Oui. Devant vous, il y a des trappes. Je vais vous poser des questions. À chaque bonne réponse, vous allez passer à la trappe suivante. D'accord. Mais il me faut 3 bonnes réponses et vous n'avez droit qu'à une seule erreur. Et voilà, d'accord. Attention, ouverture de la première trappe. Oh, mon petit crapaud. Alors là, vous, maintenant vous allez descendre dans la trappe et je vous poserai la question quand vous aurez les deux pieds dans la trappe. Oui. Voici la question. Quel animal ne boit pas d'eau? La grenouille ou bien le chameau? Votre réponse. Non, le chameau, ça boit de l'eau quand même. Même si c'est plein d'eau, mais ça boit de l'eau. Donc la grenouille ne boit pas d'eau alors. La grenouille, eh bien c'est gagné en effet. La grenouille s'hydrate par la peau. Mais bon, là, je sens que ça va se corser. Monsieur, ouverture de la deuxième trappe. Oh, des petites souris. Oh, bah oh, mais oui. Bon, descendez. Allez. Voilà, et un pied. Ah, ils ont des petites griffes quand même, hein. Voici la deuxième question. Comment s'appelle le rat? Ça chatouille. Héros du film Ratatouille. Robin ou bien Rémi? C'est une bonne question, ça. Rémi. Le rat héros du film Ratatouille. Allez. Je dirais Rémi. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah ben, génial, monsieur Pouvoir. Ben, tout va bien pour le moment. On s'entend mieux la première fois. Et on ouvre la troisième trappe. Ah, ça, j'aime pas ça, ces petites bestioles, quand même. C'est parfait, ça me réjouit. On y va. J'aime pas ça. Allez. Poussez-vous. Allez. Bon, alors, écoutez bien. Ouais. Les cafards ont connu les dinosaures. Vrai ou faux? Les cafards ont connu les dinosaures, vrai ou faux? Oui. Je dirais vrai, ouais. Eh ben, c'est vrai que c'est vrai. Oh. Eh ben oui. Voilà. On retrouve des traces de cafards. Il y a plus de 250 millions d'années. Bon, ben écoutez, vous avez les 3 bonnes réponses, me semble-t-il. Ben, il me semble que oui, donc la quatrième trappe... Ben alors, on va quand même l'ouvrir pour voir à quoi vous avez échappé. D'accord. Ouverture de la quatrième trappe, Passe-Muraille. Oh, les petits scorpions. Vous savez quoi, je suis content. Ça va pas vous manquer. Non. Allez, Olivier, au revoir. Au plaisir, hein. Il fait toujours bon. Il fait toujours bon dans le Père Foie.